Bonjour les amis, de retour sur Assassin's Creed. Donc là, du sang et des dieux. Je me mets en route pour parler. Aide-moi, deviens mes yeux. C'est par là, j'ai marqué mon curseur et j'y vais. Allez, toi le sanglier, bonne nuit. Voilà. Maintenant que le Jarl Heming est mort, Vili saura-t-il tenir les rênes de la cité? Excusez-moi les amis. Bon, allez, je suis arrivé, maintenant je vais lui parler. Tu es l'ami des loups, le grand corbeau de guerre, dont la renommée grandit à chaque lune. La décision que m'a confiée Heming me pèse. J'aimerais avoir ton conseil à ce sujet. Il faut faire un sacrifice. Beaucoup de moutons au pied du Yotun assoupi, avant qu'on allume le bûcher. Suis-moi. Bah, je te suis si tu te lèves. Des kebabs. Vous allez servir les dieux et les prier d'accueillir notre bien-aimé Jarl Heming à bras ouverts, chargé de bière. Bah allez les kebabs sur pattes là. Tu as le don de clairvoyance. Peux-tu prédire les événements futurs? Je vois ce qui doit être vu, quand il le faut. Un grand pouvoir. Un grand fardeau. Heming venait-il souvent te consulter? Se déchargeait-il de ses troubles? Nous discutions souvent, mais il repartait fréquemment les épaules plus chargées qu'à son arrivée. Il s'inquiétait de l'avenir de son clan, de qui en deviendrait le Jarl. Parle moins. Sinon, de mauvais esprits viendront nous tourmenter. Comme tu veux. Quel âge t'as? Passe-moi ton 06. Volva, je... Ton cœur est agité. Ton esprit obscurci. Tu cherches bien plus que de bons présages. La sagesse des dieux. Tu veux savoir qui devrait devenir le Jarl de ce clan? En effet, entre Vili et Trygve, le choix n'est pas facile. Nous sommes dans l'ombre du géant, le grand gardien des secrets. Tu trouveras ici un breuvage de la mer qui résonne. Gravis le Jotun assoupi, bois les eaux et médite à son sommet. Ne cherche pas de réponse à tes questions. Ce sont elles qui te trouveront. Ouais, d'accord. Bon, bah j'ai compris le truc, hein. J'arrive tout là-haut. Allez, c'est parti, on y va.
Ouais, je dois faire quoi là? De la grimpette là. Tout ce que je fais. En tout cas, j'aurais déjà rien perdu, je vais aller chercher le point d'aigle qui est là-haut. Allez, on va déjà chercher le point d'aigle, les amis. C'est pas ça. Donc c'est bien ce qu'il me semblait, qu'il est bien tout là-haut. Allons-y. Hop les... On escalade la montagne. On prend les parois qui ne glissent pas. J'ai pas envie de finir en bas. Pour chercher une réponse, je dois m'éclaircir l'esprit et la bouche. Bah au moins déjà j'ai rien perdu, je pourrais toujours revenir ici plus tard. Bon bah on va se mettre là. Méditer. Ah, Odin. Ah non. Jarl Heming, c'est vraiment toi? En esprit. En esprit seulement. Pourquoi n'es-tu pas avec Odin dans sa halle? Je vais m'y rendre. Quand brûlera mon bûcher, j'emprunterai le chemin de fumée jusqu'à la halle des champions du Père de toutes choses. Je suis heureuse de te voir une dernière fois, Jarl. Je peine à résoudre ma tâche. Il n'est pas facile de te choisir un successeur. L'un est aimé de tous, mais ne veut pas de ce rôle. L'autre en est digne, mais souffre d'être moins apprécié. Je n'ai pas su mieux te conseiller de mon vivant, Eivor. Alors, n'espère guère plus, désormais. Oublie les conseils et les pensées rationnelles. Que te dit ton cœur? Mon cœur ne bat plus. Il demeure muet. Cette décision ne devrait pas me revenir, Heming. C'est à toi que le choix appartenait. Tu étais leur chef. De même que Sigurd est ton chef. Mais ça n'apaise pas ta soif de gloire. Et tu convoites sa place sur le haut siège de ton clan. Je ne cherche pas à remplacer Sigurd. Le sort a tissé nos avenirs, nous ne faisons qu'en suivre la trame. Mais tu vois les choses venir.
et cela te plaît. Dois-je renoncer à mon destin alors? Abandonner mon chemin vers la gloire? Non, je veux que tu meures en le défendant. Ah ouais, super. Aïe, 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 doucement toi. J'étais pas prêt là. Ah, j'étais pas prêt à ça, moi. Oh, Jarl Hemming, l'avenir de ton comté est incertain. Ah, puis il a disparu. Faut le dire, si tu veux mourir, j'arrive. Hein. Hop là, je viens te chercher. Bon, il est parti où le machin? Dieu du tonnerre, adieu. Par contre, je veux bien tes éclairs, hein. Si tu ne les donnes, y a pas de souci. Tu m'y as contraint, Hemming. Je n'ai jamais voulu cela. N'ai pas de regrets, Eivor. Tu m'as offert la belle mort au combat, dont j'ai toujours rêvé. Vieux renard. C'est pour cela que tu m'as poussé à bout. Le père de toutes choses. Odin. Il vient m'accueillir dans sa halle. Je dois le suivre. Odin ou Thor, c'est lequel celui-là? Terminé. Le choix que je ferai sera le bon. Bon bah, on va descendre. Géronimo! Pouf! Dans le gros tas de neige. Et je coupe la vidéo. Allez, à bientôt les amis!